Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, c'est Jacqueline Belizer, depuis Studio 4, La Voix de l'Amérique, dans Washington. Il y a un plaisir pour entrer à la CAO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtienne. D'ailleurs, c'est la première sortie nous pour ce maintenant. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. No place in political violence for political violence in America. None. Zero. Never. Actualité aux États-Unis, président Joe Biden dit pas de place dans le pays pour violence politique après ça qui semblait avec une tentative assassinat contre ancien président Donald Trump, suspect là déjà passé devant un juge en Floride. Actualité électorale aux États-Unis, immigration était un gros dossier dans la campagne électorale, même genre dans le dernier débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Venezuela accusé Espagne de ce que Libye mercenaires dans l'opération avortée qui était visée jeter président Nicolas Maduro. Et puis dans le pays d'Haïti, 24 personnes mourir et une quarantaine d'autres blessés graves dans l'explosion d'un camion citerne dans Miraguane. Et c'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer déjà nous souhaitons passer une bonne semaine de travail. Actualité ici aux États-Unis, c'est en pile réaction qui sortit bon côté démocrate, tant que bon côté républicain, après ça qui semblait avec une tentative d'assassinat sous ancien président Donald Trump, suspect là déjà passé devant un juge et déjà gagné sous dôle accusation fédérale. Officiel, nous parlons jeune Sandra Lemaire. Younèg autorité au suspect dans tentative assassinat ancien président Donald Trump comparaît devant tribunal lundi côté au accusé li pour crime fédéral qui gain pouwè avec possession d'armes. Monsieur comparaît devant tribunal dans moment course présidentielle là, rivé dans dernier semaine yo et puis après un premier tentative assassinat comme ça. Ryan Wesley Routh, 58 ans, a fait face à accusation possession d'arme à feu, malgré li déjà été condamné pour crime d'est-ce que li était possédé une arme à feu côté li était effacé numéro série A. Li possible pour la justice ajouter l'autre chef accusation grave. Dans moment enquête là a continué. Avocat accusation yo a demandé un grand jury accusé monsieur. Rouse te comparaît devant tribunal pendant un petit temps tout coûte dans West Palm Beach côté il te répond question préliminaire par rapport à statut travail li ak l'agent li touché monsieur te menotté et puis gagne un uniforme prisonnier bleu sous li pendant li te dans tribunal là il te souri pendant li t'ap parlé ak avocat l'état qui t'ap défendu et puis révisé document avant premier paraître li avocat de refuser faire commentaire après audition. Journaliste est filmé en camionnette qui a transporté Routh sorti dans le tribunal là. Président Joe Biden a réagi sur une tentative d'assassinat dimanche. Il dit grâce à Dieu, président, ok, nous recevons un rapport complet. Nous en bas à ce soir. Moi, t'as remé sous lien service là besoin plus aide et moi quoi Congrès a doué répondre besoin yo. Au fait, yo besoin plus passer l'autre service yo. Donc c'est ça nous quoi discuter. Tentative assassinat déroulé dimanche après-midi. Agent service secret qui t'a surveillé pendant Trump t'a joué golf, t'es remarqué pointe au fusil style mitraillette AK pointé dans mitan orage qui sous côté terrain. Yo agent t'est tiré et puis Ralph t'est lagué zamnan et puis couru qui t'est scène dans yo pageo. Il quitté zamnan à terre ensemble avec deux sacs à dos, une loupe qui permet li voir de près et puis une caméra GoPro d'après sa autorité yo dit. Autorité yo t'arrêté Ralph Pita dans un arrondissement qui tout près. 13 juillet, yon balle t'est passé bon côté oreille Trump pendant un meeting politique dans l'État Pennsylvanie. Monsieur t'est blessé. 8 jours plus tard, président démocrate là, Joe Biden t'est bail course présidentielle la vague et puis l'ouvre porte pour vice-président li, Kamala Harris, remplacer comme candidat présidentiel parti démocrate là. Trump tournait Floride week-end ça après un viré rond sous côte ouest États-Unis côté il a participé dans meeting politique dans Las Vegas et puis un marathon dans Utah. Campagne li pas publié plan Trump te gagné pour journée dimanche là. C'est souvent monsieur qu'on jouait golf dans matin avant là le prend manger midi dans club Lia qui c'est une parmi trois que li possédait dans État Floride. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
Et dans l'autre déclaration, dans l'autre réaction, gain président Joe Biden, dans une conférence de presse que le Biden a eu une université dans Philadelphie, il dit que pas gain place aux États-Unis pour violence politique. Il dit c'est zéro, zéro, pas gain place pour causer comme ça. Gain l'autre réaction encore qui sortit par rapport à ça qui semblait, tant que Sandra Sodil a eu une tentative assassinat sous ancien président Donald Trump. N'a pas toujours dans l'actualité ici aux États-Unis pour nous parler de élection. Il y a deux candidats dans le présidentiel pour novembre Cap Vinila. Eh ben, il y a pas de clair dans le dernier débat sous question de coût économique, tarifs douaniers et à question Ukraine. Et dans le moment, il y a deux mois qui étaient pour élection. Cependant, deux candidats ont une position différente sous question immigration. Jean-Robert Philippe. Immigration, c'était une grosse question pendant le premier débat présidentiel entre Donald Trump et Kamala Harris. Pendant le vice-président Kamala Harris, pas répondu aux questions sur l'augmentation de la quantité d'immigrants sur les frontières États-Unis partagées avec le Mexique. Ancien président Donald Trump n'a pas suspendu d'identifier immigrants à crime. Millions of people let in. Ancien président parti républicain a déclaré plusieurs millions d'immigrants rentrés dans le pays. Il dit que la quantité de crimes diminue de l'autre côté sur la planète-là, excepté aux États-Unis. Recherche a montré que les immigrants ont moins de tendance pour commettre des crimes comparé avec les Américains qui fêtent dans le pays. Mais pendant un rassemblement populaire, Trump Kimberly dit sur l'immigration, elle a annoncé la promesse pour déporter les immigrants illégaux s'ils jouent un autre mandat pour diriger les États-Unis. Si je remporte l'élection, depuis le 1er juin, je commence à pigo déportation en masse qui jamais fait aux États-Unis. Expert immigration, Yotako David Daisegard, Kalik, qui est directeur initiative recherche sur immigration, pose une série de questions pour demander. What exactly are we talking about here? Qui ça exactement n'a pas? Est-ce que police avec agent immigration doit présenter la carte tout le monde pour demander ouais documents? Les modérateurs a déposé à Harris question sur augmentation de la quantité d'immigrants qui traversent les frontières sans document légal sous l'administration Biden avant la quantité a été diminuée dans le mois qui passe. L'Iran Trump responsable. Les lui fait remarquer, les républicains dans le Congrès ont été éliminés une proposition de loi, deux partis ont été supportés. Bandine, Congrès américain et là-dedans, le membre qui est plus conservateur dans le Sénat américain, t'es préparé une proposition de loi sur sécurité que moi j'ai supporté. Proposition de loi ça t'a employé 1500 gardes frontaliers. Expert souligne pas de réforme réelle sur immigration si pas de action dans le Congrès. David Dissegard, Kalik ajouté, ni candidat parti républicain, ni candidat parti démocrate là, aucun n'a eu pas parlé de l'importance Congrès. Présidence là fait une grosse différence. Il y a un pile bagaille un président capable de faire, mais tout, un président qui a une limite dans ça qu'il est capable de faire. Pendant un meeting populaire dans Arizona, Harris rappelait Foula que, comme président, l'absence d'une proposition de loi sur l'immigration. Nous reconnaître le système immigration noir pas marché bien et nous connaissons ça nous devons faire pour nous ranger. Réforme globale qui vient la donner sécurité frontière avec possibilité pour vivre un citoyen américain. Il n'est pas semblé à Harris et Trump à rencontrer dans un autre débat. Électeur n'est pas obligé de suivre le plan immigration avec un pile attention dans le moment candidat à continuer de suivre la campagne électorale. Là. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc pratiquement un jour ap mache, date là c'est 5 novembre 2024 pour élection présidentielle qui pourrait mettre face pour face Kamala Harris, vice-présidente et démocrate là avec ancien président Donald Trump. Nous parler dans pays Venezuela côté ministre intérieur Diosdado Cabello, il est accusé espagne comme quoi il planifiait pour le bail mercenaires pour une opération contre gouvernement, opération que d'après yo États-Unis a dirigé dans pays Venezuela. Gentil Augustin Junior, quel détail. Sabe el CNI que nosotros tenemos más información. Dans une interview avec chaîne télévision Télésur, ministre Diosdado Cabello dit qu'il a arrêté des personnes qu'il a identifié comme José María Basoja et Andrés Martínez Adasme qui fait partie du Centre d'enseignement national Espagne, CNI. Ministre vénézuélien
accusé Espagne pour implication dans recrutement quelques agents français qui ont une mission pour prendre contrôle à l'aéroport international Mariquita. Fueron detenidos recientemente dos ciudadanos españoles. Ça a pas gagné longtemps, José María Basora Vardovinos et Andrés Martínez Adasme, des citoyens espagnols, te joignent arrestation yo dans Puerto Ayacucho, tout près à l'aéroport. L'ité continue pour dire. Au commencement, les autorités dans Venezuela ont arrêté Mounsayo, yo pas dit rien. Mais après ça, yo admet yo fait partie agence renseignement espagnol là. Logiquement, Espagne pral démenti li. Hier dimanche 15 septembre là, yon sous ministère affaires étrangères espagnol dit que citoyen espagnol que yo arrêté yo pas gen connexion avec service secret espagnol yo et que Espagne pas participé dans aucun plan pour déstabiliser pays Amérique du Sud là. Ministre intérieur Venezuela a dit samedi a que deux espagnols, trois citoyens américains ak yon citoyen pays tchèque te joignent arrestation dans Venezuela parce que autorité yo suspect yo gen connexion ak yon soi-disant complot pour chavirer gouvernement président Nicolas Maduro. Ministre lundi, nous arrêté tout David Estrella, yon citoyen américain. Estrella también está detenido. Citoyen espagnol yo te joignent arrestation yo dans Puerto Ayacucho. Média espagnol yo te répété parole ministre Cabello te dit dans une conférence pour la presse. Ministre la te ajouté que autorité yo saisi tout environ 400 fusils qui sorti dans pays États-Unis. Arrestation yo te fait après gouvernement vénézuélien te rappelé ambassadeur li en Espagne. Semaine ça pour consultation. Elle était convoqué ambassadeur espagnol là pour présenter dans ministère affaires étrangères. Ça qui t'a augmenté tension diplomatique après une élection présidentielle bouleversée. Caracas t'a engagé tout dans la guerre Paul Pimambouk avec États-Unis qui t'a reconnaît González Urrutia comme vainqueur élection 28 juillet. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Autorité dans Ukraine by rapport jodi lundi a sous dernier gros attaque drone la Russie qui t'a visé Kiev côté Odi ça fait 8e offensive contre capitale pays Ukraine. Serge François Michel. Serhiy Popko, qui est à la tête administration militaire Kiev, là, dit sous Telegram, défense anti-aérien Ukraine descend presque 12 drones sous Kiev. Mais, que pas de nouvelles sur le monde qui est victime. Dans tout pays, l'Américain dit jeudi lundi, il descend 53 sous 56 drones russes qui ont attaqué plusieurs régions. En plus de Kiev, défense anti-aérien Ukraine descend drone tout sous Tcherkassy, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava, Sumy, Vinnytsia, Zaporizhia. C'est ça, aviation militaire ukrainienne a dit. Attaque aérienne faite après président Ukraine Volodymyr Zelensky a demandé à l'IO pour bali système ZAM avec permission pour servir à ZAM Sayo dans attaque qui vise loin dans la Russie. Zelensky dit dimanche, dans ce cause côté lui adressé peuple à chaque soir, que si on permet de tirer loin, l'Amérique, non, t'as qu'à détruire avion russe dans base, yo. Lizzy, lui espérait tant des décisions sous question, bon côté États-Unis, la France, Allemagne, et l'Italie. L'Amérique, non, lancé dernier attaque, jeudi lundi, sous région qui arrive aux frontières, la Russie, à l'Ukraine. Vyacheslav Gladkov, qui est directeur Belgorod, dit, Ukraine fait bombardement qui arrivait frapper Yonkai avec plusieurs machines et blesser 8 mounes pour pipiti. Dans Bryansk, autorité a dit défense anti-aérien russe descend 5 drones Ukraine. Nouvelle n'a pas rapporté aucune victime ni aucun dé. Merci Serge François Michel. Mauvais temps sous continent européen, gros inondation, et ben c'est comme ça que tempête Boris la cause gros inondation dans notamment ville Vienne dans pays Autriche. Dans moment l'Europe centrale orientale déjà compté et ben 15 morts parmi eux 7 dans pays Roumanie, 4 dans pays Pologne. Et Boris mauvais temps ça et ben la cause tout plusieurs milliers sinistrés et causé en pile dégâts qui difficile
pour yo évaluer et Napoléon gagne même état d'urgence que yo mettait sous pied avec mauvais temps ça côté que et ben gon équipe secouriste qui sous pied et ben pour ouais qui gens capable aider monde qui victime en bas inondation ça qui relait et ben tempête ça qui causait inondation tempête là relait Boris ou souvé ou à créole ou suivi un programme dans langue créole haïtien pas déplacé. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Nous pourrons parler de l'actualité dans le pays d'Haïti. Et t'as le conseil n'a pas un spécial sous situation dans Springfield, dans l'État Ohio, côté que grand pile réaction qui continue à tomber après accusation qui tombait sur Haïtien comme quoi il y a mangé canamoun, il y a mangé chatmoun, il y a mangé chemoun. Actualité dans le pays d'Haïti, il y a 24 moun qui mourit et il y a quarantaine l'autre blessé grave dans explosion dans un camion citerne dans Miragouane. Un reportage Steven Aristil. 4 moun mouri et 40 l'autre blessé grave dans une explosion camion citerne. Incident ça arrivé dans ville Miragouane samedi qui était 14 septembre 2024 là. Parmi 40 blessés ça yo, gen 39 grand moun ak yon ti moun, 37 jeune garçon ak 3 femmes. Gen 20 la dedans qui boule dans 3e degré. Premier ministre Gary Conille était rendu Miragouane dans l'idée pour constater situation et faire diligence médicale avec blessé yo. Une scène horrible nous sort vivre là. Plusieurs dizaines de victimes blessées boulées de manière très sévère. En pile là de te gantin évacué pour à l'hôpital. Malheureusement nous pas de prendre un sac pipi grave parce que hélicoptère pas tap possible. Donc, pendant qu'on a parlé là, nous avons un groupe d'ambulance qui a essayé d'arriver le plus rapidement que possible par la route pour essayer de récupérer ça qui brûlé à plus de 80% encore. Mais nous-mêmes, nous essayons de venir avec les gens nous capables. Mais comme c'est le cas très souvent, la scène horrifique ça, nous venons nous joindre tout docteur, tout infirmière, tout le monde qui a une compétence médicale mobilisé dans l'hôpital là pour aider les victimes. Même nous promettons, nous allons faire tout ça capable pour assurer que l'hôpital a du matériel. Nous allons faire tout ça capable pour l'ambulance qui arrive l'autre bois pour récupérer les gens qui a besoin de soins très intensifs que probablement l'hôpital l'autre bois pas capable. Et entre temps, nous allons voir le ministre de la Santé publique là pour nous faire rejoindre le plus rapidement que possible toute qualité médicaments avec bah, besoin pour rejoindre soins. L'institution Médecins Sans Frontières, qui est une ONG, fait qu'on est recevoir 6 personnes qui étaient boulées graves, qui étaient venues par hélicoptère dans l'hôpital Yowa. Hier dimanche, ils ont déployé une équipe pour porter renfort à l'hôpital Sainte-Thérèse qui est dans Miragouane. Et ils ont fait qu'on est, il y a plus de 20 autres victimes qui ont reçu dans Saint-Yowa qui Kafou. Avec la capitale pays. Je vous rappelle pour l'auditeur VOA Creole, décembre 2021, un incident pareil était la cause 60 personnes perdu la vie et plusieurs dizaines d'autres blessés graves dans la ville au Cap. Moi, c'est Steven Aristille depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Nous sommes toujours dans le pays d'Haïti pour nous parler de politique, pour nous parler d'élection. Il y a un conseil présidentiel transition qui bat tête y a un délai qui c'est mercredi, Cap-Villa, pour le mettre campé, conseil électoral provisoire. Il y a un reportage, Renan Toussaint. D'après une source dans le Conseil présidentiel transition, pour une énième fois, structure ça va être li jusqu'à mercredi 18 septembre 2024 pour mettre campé Conseil électoral provisoire, une façon pour date 7 février 2026 là capable respecter côté un président élu doit remplacer équipe qui l'a kounya, déjà ça prévoit dans accord 3 avril 2024 là. Alors que KPT1 te doit réaliser un conseil des ministres mercredi 11 septembre 2024 passé pour te nommer membre cap constitué conseil électoral provisoire un conseil des ministres qui reporté pour une date ultérieure à cause trois contestations sous choix certains représentants pour formation institution électorale notamment dans mi-temps secteur vaudou et secteur femme. Selon information yo, KPTA pral invité secteur qui poukou ka conclu sous choix définitif yo nan objectif pour aider yo joindre yon entente. Sous nou a souligné tout que 6 secteurs sous 9 qui déjà voué non représentant yo nan KPTA gagné jusqu'à présent qui a couteau tiré.
Conseil présidentiel transition en dit pas entendre nommer yon ka epi manke mousou. Li dit si tentative ça pas marché à ce moment-là, y a choisi youn nan deux noms secteur qui pas nan dimension pour entendre yoa juste pour compléter institution électorale là par rapport à thème référence qui dal joine secteur concerné yo. Depuis quelques jours, en pile pression a fait sous autorité en place yo pour mettre campé conseil électoral provisoire cap gen pour mission organiser référendum qui lié à amendement constitution 29 mars 1987 amendé ya à organisation élection générale pour remettre campé institution démocratique yo en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan. Et puis dans Springfield dans état Ohio, un ben gagnant et haïtien yo bien communauté haïtienne chrétienne yo et ben était allé dans l'église dimanche qui s'est passé là, était une solidarité et côté que et ben était adorer le Seigneur, eh ben j'en ai habitué faire là avec plus solidarité pendant que yo toujours confus, yo toujours frustré par rapport à que accusation qui tombait sous deux. C'est ça nous pourrons l'aborder dans un dossier spécial immédiatement après pause là. Vous souvenez au créole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien tant qu'on nous te promet li nous pral wè quelques réactions qui continuent à tomber après que eh ben gen accusation qui tombé sous haïtien yo eh ben quelques membres dans communauté haïtienne dans Savannah état Georgia eh ben parler pour exprimer frustration devant accusation qui fait comprendre que haïtien dans ville Springfield dans état Ohio y a mangé chat y a mangé chien y a mangé canard Jodle Junior Saint-Ville gen détail. Haïtien dans ville Savannah, état Georgia, pas caché frustration yo face à accusation ça. Kek nan yo qui t'ai parlé ak VOA Creole pendant weekend nan, di ki jan yo t'ai senti yo, lè ou t'ai tande paroles ça. Donc ça t'ai frappé. Même moi t'ai pas vinn gagner plus problème c'est lè vinn rendre compte c'est plus des bagages discriminatoires et qui gagne pour voir avec la politique aux États-Unis puisque nous dans période électorale. Donc côté que des anciens dirigeants et aspirants dirigeants utiliser ça pour capable et mener campagne et c'est nous autres haïtiens qui victimes depuis qu'on accusation qui pesait sous dos immigrants donc parti qui compte là l'a toujours les prendre donc normalement bon c'est comme ça c'est la politique mais ça pas empêché que c'était très frustrant c'était très agaçant le attendre ça yo. C'est pour une catégorie immigrants haïtiens qui vivent dans Savannah accusation au soir mais ça yo fait au paix pour une autre catégorie c'est différent. Comme c'est haïtien et tout haïtien toujours très sentimental envers haïtien par exemple sont des problèmes pas un problème à l'autre quand on dit j'en dérangé mais devait me peur tout me dit bon on va me connaître ça qui arrivé même dans travail côté nié et puis bon blanc mais pas c'est pas raciste non mais qui vient poser une question est-ce que rien mes chats me dit ou bien manger chat me dit nous rien mes chats mais pas manger chat même quand on comprend ni il font blague avec ça mais c'est nous clair que voilà quand j'en dérangé tout le monde parce que ça te met une triste. Parce que je suis haïtien, je entendu haïtien manger chat, manger canard. Ça a été frustré dans l'arrière parce que ma faute à plusieurs autres nations. Quand j'en paix. Jodley Junior Saint-Ville, depuis Savannah, État Georgia, pour VOA Creole. N'a quitté Savannah, nous parlons d'entrer dans l'État New Jersey avec Gloria Glorious Nelson, qui lui-même tout est recueilli, réaction haïtien dans zone ça. Accusation comme quoi haïtien a mangé chien à chat dans Springfield Ohio dominé actualité pendant semaine qui s'est passé hein haïtien tout côté a bay avis sous dossier hein nous rencontrer avec quelques haïtiens dans New Jersey qui ont même exprimé indignation que yo senti là yo apprendre accusation si là yo au début m'étais vraiment frustré parce que m'ta posé tête une question qui ça nous fait encore pour nous faire la une nouvelle et déjà les bien parler de Haïti c'est toujours un bagage qui négatif et puis après m'étais venu parler de ça avec un ami me venir réaliser hier yeah, 4 de cela nous était un shithole country sont basé que c'est nous n'a pas d'élection ça c'est presque même pas là qu'à répéter toujours à cause de élection et j'ai autant aimé que ça a déroulé. Et dans un moment, pour que nous ayons cette team inconfortable, parce que ça crée une série de stéréotypes qui fait que nous toujours été un peuple qui marginalisé.
Normalement, ça fait nous mal parce que nous continuons à subir une série d'humiliations étant qu'haïtiens. Et il faut me dire ça sincèrement. Yo créel pendant au fin créel là et puis nous-mêmes n'a victime encore de lui. Nous quand comprendre ça pas bien que yo t'ai accusé nous déjà de monde qui portait sida. Et tout bail ça a fait nous mal étant que haïtien. Mais je ne veux dire revenir avec une autre bagarre encore côté au fait sentir que dans communauté wa au côté haïtien va vivre là. Il a mangé chat, il a mangé chien, il a mangé canard. Nous va manger chien, on c'est des bagarres, il a accusé nous c'est pas vrai. Parce que même là que nous connaissons, nous sommes haïtiens, nous avons nos propres mœurs, pas nous, coutumes, pas nous, mode de fonctionnement, pas nous, mais il y a des choses que nous portons, pas nous, sont inadmissibles. Et ça fait mal étant que haïtiens, moi, jusqu'à présent, nous avons compris nous, étant que nous. Bon, mais bon côté, moi-même, ça a vraiment dérangé moi, le fait que moi, c'est haïtien. Et puis, ça qui est un petit genre dérangeant, c'est parce que nous-mêmes, haïtiens, de ce côté, nous y est, et puis c'est comme ça, nous toujours. Et il a minimisé nous, n'importe ce qui passe, n'importe quoi qui est mal, il a toujours dit que c'est haïtien. Il n'y a pas de haïtien parce qu'ici, il n'y a pas de nation qui vivent ici. Et ce n'est pas seulement haïtien qui est noir. Bon. Et peut-être c'est parce que les gens qui ont payé nous, nous n'avons pas de dirigeants, nous n'avons pas de gens qui parlent pour nous, nous n'avons pas de gens qui accompagnent nous. Peut-être c'est ça qui fait que n'importe quoi qui est haïtien, n'importe quoi qui est mal, ils ont la gueule de nous-mêmes haïtiens. Oui, moi, je n'ai pas appris ça. Certes, c'est vrai que le pays n'est pas bon, mais les noms de l'autre côté, les vies nous viennent dans le pays, et en pile étranger, témoins ça. Nous travaillons dur. Nous faisons tout à fait nos corrects, nous baillons le meilleur de nous-mêmes. Parce que les Haïtiens ont toujours dit, même, ils comptent pour qui ça a sorti, ils n'ont pas sorti pour grand messie. Et le bizarre, ça l'aide pour la population haïtienne qui vit là, en dehors d'Haïti. Et ça n'est pas belle pour moi, il fait pas pour moi. Accusation si là, pas sans conséquence sur Haïtien avec l'autre habitant qui vivent dans Springfield, Ohio. Dans la semaine passée, en ville si là, t'es en alerte côté t'es une menace bombe. Moi, elle est glorieuse Nelson, pouvez voir créole depuis New York. Et puis réaction l'autre Haïtien dans Maryland pendant un gala annuel. Nous-mêmes haïtiens, ce n'est pas la première fois que la grand fardeau sur nous-mêmes. Par contre, tout songe à faire de aide, je dis que c'est haïtien by aide. Pareillement, je ne vous dis, je dis que nous-mêmes haïtiens, nous mangeons chien, nous mangeons chat. Mais si vous regardez bien, là nous venons ici, nous, en fait, font pile travail dans la communauté. Non seulement la communauté panouan, mais toute communauté en général. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas vraiment yo bagaille qui fait nous du tort. Mais par le fait que nous avons fierté haïtienne, non? Nous avons courage, même gens que nous devons ici dans notre travail là, nous continuons de travailler toujours. C'est politique et nous pas vraiment considérer le fait que on dit que nous mangeons chien. Nous pas manger chien, nous devons manger chat. Il y a des paroles où on dit, bah là tellement bas, on va descendre dans la journée dans le niveau côté là. C'est pas venu pour mal défendre qui ça c'est manger, qui ça c'est pas manger. D'ailleurs, tout le monde connaît, j'ai appelé ces portraits à faire de nous, c'est pas ça. Nous connaissons, nous venons ici, c'est travail, nous venons travailler. C'est la vie mignonne, nous venons chez petit nous. C'est éducation, c'est avancer, nous venons avancer. C'est pas pour nous venir faire tête. Ça qui a privé Springfield là, son débat politique que vous profitez, utilisez haïtien en tant que, yon épouvantail, yon boogeyman en anglais. Pour capable faire avancer politique, yon parti yon l'autre. Et pour moi-même, je pense que ça haïtien qui pour faire, c'est comprendre que la caille c'est la caille. Pas qu'un côté capable de remplacer la caille. Même là qu'on parle la caillou ou décide ou voulez faire l'autre choix, venons l'autre côté. Mettez dans tête ou qu'on conduite qui vous mène à objectif qu'on veut atteindre. Yon met pense ça yon vle, nous kon qui est-ce nous yé. Et les petits qu'on a mangé chat, n'a mangé chien. Hein? Dis-moi comme ça que Haïti a une des meilleures cuisines au monde. So, achète dans un restaurant haïtien et al commande chat à chien pour qu'à dim sur abjeni sur menu. Pour commencer. Deuxièmement, moi pense que comme haïtien, c'est pour nous camper peut-être nous. Comprenez? Moi crois que blanc gonjan, li pense li ka fè sa l vle avec nous, li ka di sa li vle parce que nous toujours quitter le fè sa l vle. Nous pas qu'à quitter au fait ça vous voulez.
Voilà, c'était quelques réactions et plusieurs Haïtiens dans l'occasion gala annuel et association haïtien et qui professionnel. Eh bien, on a salué Caleb Bier qui a fêté fête et puis nous saluer Evelyne Isidore qui t'a fêté vendredi. Moi c'est Jacques Lambélizer. Bonsoir. Regardez que en pile démonstration a fait, mais en pile haïtien en Haïti quoi à l'étranger dit que y a pas vraiment senti ça attendre comme question rivé rétablir sécurité dans le pays. En même temps tout n'a dit que situation rivé drame qui rivé dans Miragua non, samedi 14 septembre non qui la cause plusieurs dizaines haïtiens petit la vie boulé et quand est mouri et ça compter plusieurs autres qui boulaient, qui prennent ce qu'ils ont nécessité. C'est des situations, je dis, en plus, on a encore posé question pour dire que ça a passé en d'un pays. Politique, nous connaissons très bien qu'on s'est impliqué dans le scandale corruption BNC, mais il y a une grosse acquis d'actualité, c'est dans le pays États-Unis, dans le niveau Springfield, dans Ohio, côté que nous est, depuis plusieurs jours là, vraiment, il y a une campagne de discrimination, campagne de dénigrement qui a fait contre Haïtiens qui vivent dans Springfield, et ça qui soulevait colère réaction pile haïtien qui eux même c'est des défenseurs immigrants et spécialement haïtiens qui vivent aux États-Unis. Nous pourrions parler avec un vraiment haïtien qui a des années qui militent aux États-Unis dans intérêt haïtien, dans droit haïtien, dans droit immigrant yo, mais en même temps tout qui engagé qui sous ciel de ça qui a passé dans pays. Désir comment est avant que nous venions avec invité. Plaisir pour tout temps dire, grand plaisir chaque fois que nous là ensemble pour venir partager connaissances, informations avec les amis internautes qui branchent tout partout. On nous dit situation dans le pays d'Haïti, autorité a arrangé de jour, nous fait stratégie sur cap rétablir autorité de l'État dans diverses opérations qui a mené, quel t'es Gressier, quel t'es dans Badelma, quel t'es Solino, et pour la police avec les militaires et qui pratiquent pendant force armée d'Haïti et sans compter MSS1 qui a avancé dans façon paio pendant et Conseil de sécurité des Nations Unies a essayé donc de réfléchir pour qui gens yo cap et transformer mission ça en une mission maintien de la paix de l'ONU et en pile et citoyen pratiquement qui prend position sous question ça la situation tant vous gardez aux États-Unis d'Amérique côté que des haïtiens dans différents states cap connaît des situations très difficiles par rapport avec propos discriminatoires. C'est pour ça yo expert yo monde qui pratiquement maîtriser ça qui a passé dans niveau international là nous pour regarder avec lui qui enjeu et qui ça qui vient avec ensemble propos discriminatoires c'est là yo. Monsieur Josué Renault, comment allez-vous? Son plaisir nous avec vous. Eh bien, monsieur, bonsoir. Bonsoir, Blaise Peterson. Bonsoir, Désir Venès. Et moi, content pour nous capable avec nous. Pour nous passer un petit temps ensemble. Bam, tout entrer dans le sujet principal là. Bah, qu'on est sous informé de ça. Et dimanche qui c'est 15 septembre, non? Gain un incident qui t'a semblé arriver dans la zone terrain golf Donald Trump, dans Floride. Et semblait, t'as gain quelques coups de feu que t'as tiré dans l'espace terrain golf là. Et ça qui t'est pas paniqué. Et ancien président et actuel candidat émettait avec deux mouns qui étaient dans l'entourage dans l'espace là. Ok, information sur ça? Alors justement, c'est dans zone golf, côté en fait président toujours aimé à jouer. Eh bien, tu as gagné des tirs dans la zone, mais pourquoi il n'y a aucune en fait information qui sortit, sauf que Donald Trump en sécurité. Et certainement, nous toujours dit et n'a répété, même laisser moun kap fè nous du tort. Nous pas accepter violence là sous quelque forme que présenter. Violence c'est pas lui qui a résolu un problème. Donc de ce fait nous dénoncer attaque ça et nous dit que en fait FBI mène investigation pour qu'on ait exactement raison tire ça. C'est seul ça nous capable de dire pour le moment ça dans la mesure où il y a peine arrivé et autorité en Floride, il y a mené investigation pour connaître exactement ce qui passait. Ben nous entrer dans le sujet principal là, monsieur Renault, puisque nous connaissons pas de plusieurs jours là, pour nous garder même plus qu'une semaine. Bon situation qui a développé côté compatriotes nous dans Ohio, Springfield, bien que ça cap dit jusqu'à présent c'est des rumeurs qui y est, mais ça va empêcher que mais situation quand même mettait haïtien yo dans gros difficulté dans state ça et dans ville ça. Qui réaction monsieur Renault sur ça? Et comment comprendre ça cap ça dit yo et ça cap passé en un moment? Alors, on va permettre une petite mise en contexte. En nous aller. Sur un comportement de Donald Trump, qui toujours a exposé la vie noire aux États-Unis. Et en fait, Jodia, c'est Haïtien qui a attaqué. Gagné en 1992-93, Donald Trump, qui était mandé P.
peine capitale pour 5 jeunes noirs qui ont été injustement accusés. Ils ont été accusés pour un crime qu'ils n'ont pas commis. Et Donald Trump a écrit dans le New York Times que 5 jeunes noirs, ça y est, ont de joindre peine capitale. Et malgré que yo deux yo qu'on y a, malgré que en fait yo pas trouvé au coupable, Donald Trump pas jamais présenté excuse bah jeune sa yo qui passe au paquet temps en prison. Deuxième bagay m'a dit nous, c'est que Donald Trump te mené yon campagne tambour battant pour dire que en président Obama pas citoyen américain, donc li pas fait aux États-Unis. Président Obama est obligé de présenter un certificat de naissance li, et Donald Trump n'a pas même gagné un minimum de décence pour être capable de présenter excuse par président Obama. Donald Trump est joué au tribunal qui t'a condamné parce que son équipe a gagné un pile caille que t'a loué, mais il n'a pas loué noir caille. Par contre, tribunal là t'a trouvé monsieur coupable. Et Donald Trump, l'a regardé comment l'a traité fille, soit regardé je l'ai traité Hillary Clinton, soit regardé je l'ai traité Kamala Harris qui c'est candidat à la présidence des États-Unis et vice-président des États-Unis. Ça veut dire Donald Trump son homme qui fait de mensonges en vertu, li croit nan menti, li croit nan dénigre moun. Et Jodia, au capable, Jodia, c'est Haïtien qui attaque. En nous, un sujet qui est important, Jodia, pour nous-mêmes. Il y a une dame, dans une ville qui est le Springfield, dans Ohio, qui met un tweet de yon, quand elle dit, yon prend Chatli, et ils font plaisanterie, elle lui dit, c'est Haïtien. Or, normalement, leur candidat à la présidence, ou gon équipe qui la cap chercher information pour vous, pour pas tomber dans voyer monter. En dépit du fait que vous faites Donald Trump comprendre que c'est pas vrai, Donald Trump continue à faire connaître que Haïtien dans Springfield, y a mangé chaque monde, y a mangé canard, ce qui fait que la vie haïtien en danger dans zone ça et même aux États-Unis. En dépit du fait que Damnan dit que ce n'est pas vrai, Donald Trump accéléré. Gouverneur Ohio, qui sont républicains, autorité dans la mairie de Springfield, la police dit qu'il n'y a pas enregistré le cas. Donald Trump a fait peser pédale parce que c'est seul gens qui sont capables de faire campagne. Autrement dit, Donald Trump confortable, les lois sont coulées, les lois moun a mourir. Donald Trump sont racistes et sont racistes primaires. Nous dénonçons Donald Trump et nous t'ai écrit pour nous dire camper campagne ça contre Haïtien parce que si vous grand Haïtien qui attaqué, c'est pas responsabilité personnelle. Sinon, essaie d'en regarder ensemble propos discriminatoires ça yo qu'a fait contre Haïtien yo. Dès qu'il s'en a profité pour républicains qui utilisaient comme choix le bataillon dans la question campagne. Eh bien, on connaît un groupe qui est le Ku Klux Klan. Son groupe raciste, extrême droite, qui pas d'accord que Noir vienne à vivre aux États-Unis. Depuis le petit de déclaration, ça y est, on parle un groupe ça qui est dangereux, qui est méchant. On parle commencer à attaquer Noir. Depuis c'est Noir, on parle dire c'est Haïtien. Donc ça veut dire que Noir aux États-Unis en danger à cause de irresponsabilité Donald Trump. Yo dernier point que t'oublie mentionner pour nous pour montrer comment Donald Trump son raciste. Donald Trump pendant campagne li dit li t'a préféré que c'est moun qui sorti dans Islander dans Europe qui vient habiter pas bon ici. Iceland son côté qui gen blanc seulement pas gen noir. Eh bien mon Iceland yo te répond li pour dire que nous pas besoin pays là parce qu'on pas ka payer nous. Donc Donald Trump pense que le cas bénéficié de campagne ça parce que raciste aux États-Unis, les yo campé, yo fait violence. Et c'est justement ça nous t'aimblé attirer attention nous sur lui.
Très bien. Et li attire des violences directes parce que gagne des compatriotes qui dit il y a victime de agression verbale et même physique même. Et en ce sens, qui ça nous qui dans communauté et américain pratiquement cap entreprendre pour protéger la vie haïtienne qui pratiquement en danger pour éviter les pires. Même je l'ai te mettre question sida sous de nous et bien nous te résister, nous te bataille et nous te faire retirer. Nous allons continuer la bataille. Bataille avec ça nous capable, ça nous gagne. Pour nous capable de faire Donald Trump stopper. Par exemple, tu as regardé Haïtien qui est allé devant Golf côté Donald Trump PTA. Eh bien, Haïtien qui est marché, qui est bloqué, qui est parti dans en fait, autoroute dans Floride. Et qui est arrivé, en fait, exposer Donald Trump comme un raciste. Mercredi, New York a campé. Demain, nous prenons une grosse réunion dans Boston pour nous capables de mettre stratégie nous tout. Autrement dit, nous prenons camper pour nous faire Donald Trump suspendre avec campagne ça qui est tendancieuse. Après propos discriminatoires, Donald Trump dans espace privé le côté le country golf, gain pratiquement et coup de zam qui t'a tiré, yo qualifié des attaques qui fait une autre fois attaque d'assassinat sur ancien président et États-Unis d'Amérique là. Est-ce que vous pas pensé que vous cap utiliser ça pour dire c'est des haïtiens qui cassent des attaques ça qui fait dans le périmètre côté Donald Trump? Alors, il pas encore toute information yo, mais il pense que c'est avant une folie pour nous comprendre côté Donald Trump en dans golf là pour nous comprendre nous qu'a tiré. Comme il a tiré dans zone là. Donc la police obligée sécuriser zone et sécuriser président. Faut que nous tente plus information pour nous capables et en fait opiner sur ça. Très bien. À qui ça que haïtien qui a occasionné des moments ça pour saisir opportunité à pour ça pas jamais revient encore parce que regarder question VIH sida qui ont été accusé les haïtiens et je dis c'est question manger chat manger canard manger chien et surtout chien c'est aussi grave parce que dans coutume nous dans mes nous comme haïtien pas quoi bon haïtien nous pas quoi bon haïtien non manger chat non qui n'a manger chien disons bien. Alors Donald Trump maladie souffre il pas vraiment dit lui parce que Donald Trump gros seul bagaille il connaît pour le faire. C'est attaquer monde par exemple on pense nous t'as qu'à fonti parler de en fait débat qui fait mardi il y a ça problème on met tout avancer là-dedans parce que nous devons venir sur lui tout on met tout garder en partie côté que un vice-président Kamala Harris qui est candidat à la présidence des États-Unis eh bien lui déshabiller Donald Trump lui mettre Donald Trump à nu comme une primaire yon nèg qui gagne qui ont inept qui pas qu'à répondre question et seul gens pour répondre question c'est pour le faire ou gosse c'est pour lui c'est pour faire ensemble des attaques sur vie privée attaque bien balayé pendant ce temps lui pas connaît ça que les ni substance ni matière donc Donald Trump encore une fois où est que le te campé en sous-sainement pendant que Kamala Harris comme un professeur a baillé élève la leçon Donald Trump ni est arrogant et où te trouvé que li pas te préparé pour débat ce qui fait que jodi a ouais bon poll qui sorti immédiatement 67% moun di Kamala Harris gagne débat contre 34% moun qui dit Donald Trump gagne. Autrement dit peuple américain clair que Donald Trump sont inept c'est un incapable et seule force Donald Trump c'est les lap jouer moun. Bah, m'en de ça, monsieur Renault. Je dis à la, gain pile, mais, et pas seulement haïtien comme immigrant, mais gain pile qui est sauté, en pile attente qui gain là, parce que, en pile, non, moun, alors même américain, peut-être qui, c'est petit terre, black américain, et de l'autre immigrant qui sous sol là, yo, ouais, aux États-Unis divisé, écrasé avec Rivé Donald Trump, au deuxième mandat, dans la Maison Blanche. Et est-ce que vous-même, vous faites même après ça, est-ce que ouais tout, j'ai que Donald Trump a pas avancé là, après débat ça, après ça, l'a dit là, yo, les sont moun qui capable de river pour un deuxième dans la Maison Blanche. Écoutez, c'est une tradition aux États-Unis, les gagnants ont passation de pouvoir, tous les présidents ont rencontré, ils ont écrit une lettre. Depuis Donald Trump est élu en 2016, Donald Trump crase toute tradition. Donald Trump, ce n'est pas un homme qui est
constitutionnaliste, Donald Trump, c'est en fait, nous capables de dire, son nègre qui croit dans la violence, son nègre qui croit dans l'improvisation. Donc Donald Trump crase toutes ses valeurs et valeurs cardinales aux États-Unis. Maintenant, tu vas regarder, force Donald Trump, c'est dans la division liée. Force Donald Trump, c'est dans la crase brisée. Donc, je dis à nous, bon, États-Unis qui menacé. Et Donald Trump, en fait, l'histoire va songer que tu es un président américain qui te relè Donald J. Trump, c'est un premier président que les États-Unis connaissent et l'histoire a bien pour juger par-delà les ans et par-delà les frontières. Ça veut dire là, jusqu'à présent, parce que vous connaissez, monsieur Renaud, vous avez des années à suivre politique et élection aux États-Unis, et surtout élection république et démocrate, et c'est pas la première fois que Trump allait dans la course, il était remporté récemment, et Madame Clinton, et là, il y a vice-présidente Kamala Harris, qui est vraiment plus monde qui est en bonne position, et donner au vol échanger, ou même dans l'exipon, observation pour des élections sur vos États-Unis. Est-ce que vous sentiez que, tendance que j'ai pris aller vers Kamala Harris, il est capable de permettre que États-Unis, parce qu'on est première femme qui président lui, ou encore première femme noire qui président États-Unis? États-Unis sont un pays à surprise. Okay. Là, en 2016, tout le monde te comprend que Hillary Clinton n'a pas gagné Donald Trump. Étant donné que Hillary Clinton a un pile secteur qui n'a pas toléré, qui n'a pas traîné, ça fait que Hillary Clinton a perdu devant Donald Trump. Maintenant, nous voyons que toutes les données qui gagnent montrent que Kamala Harris est en bonne position. Et Kamala Harris a pris l'endossement. L'endossement ici compté. L'on regarde, il y a plus de 200 officiels qui passaient dans le gouvernement George Bush père, George Bush fils, Obama, et tout gouvernement qui passait, ils ont endossé Kamala Harris. L'on regarde, il y a un paquet blanc qui réunit tête en doute. Tout dit, ils ont supporté Kamala Harris. Donc, Kamala Harris sont à peine joignés un gros support. C'est Taylor Swift qui a plus de 20 millions de monde qui a suivi, et surtout jeunes. Donc, ça fait que le dernier sondage qui sortit, Libye Kamala Harris 47 et Libye Donald Trump 42. Donc, ça me veut dire pas là, il veut dire que l'élection ici, c'est un bagage qui est sacré. Si moun yo sorti, Jean pour yo ta va sorti, pas aucun Jean Donald Trump capable président. Dans le cas contraire, si moun yo complaisant, et puis extrême droite là, blanc raciste yo sorti, en grand nombre, capable bien surprise. Malgré tout, allez, deuxième, ma contre, seconde dernière question pour monsieur, alors qu'il y a avec ça pour monsieur Renaud, pour nous capable laisser l'aller. Des expériences sous et vis-à-vis avec question élection qu'a faite aux États-Unis d'Amérique depuis lors et si républicain face avec démocrate, est-ce que yo kon utiliser théorie et propos discriminatoires contre les noirs, surtout les républicains, pour qu'a abser pour qu'a river au timon des affaires? Ah bon, c'est bon, yon exemple, John McCain qui était un candidat à la présidence pendant qu'a parlé yon bon dame ignorante blanc qui dit que Obama pas fait ici, Obama sont noirs. Est-ce qu'on compte qui répose John McCain te Biden? Non, 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 pas dit ça. Obama sont on citoyen américain et qui candidat à la présidence. Nous avons un désaccord avec lui sous question et philosophie, même pas un pape vin qui te nous dit que pas il pas en fait citoyen américain. Mais comment un homme d'État réagit? Mais Donald Trump, il monte dossier, il fait mentir. Au contraire, aux États-Unis, on dit Donald Trump fait de mensonges, il a vertu. Imagine, on a un débat qui s'est fait là, il a trouvé Donald Trump fait plus que 30 mensonges, dans 90 minutes.
Et pour nous finir, monsieur Renaud, ou bon mot comme haïtien qui vraiment bon qui à la fois qui réside aux États-Unis mais qui va entrer sortir de Haïti tout qui a suivre ça qui passe en Haïti hein, ou gain un mot de ça qui passe en Haïti hein, puisque je dis à plus monde comprendre que oui États-Unis c'est pas problème ou capable toujours résider là-dedans mais si la caille bon si n'est qui la caille ou femme qui la caille travaille pour la caille bon et nous pas dit non haïtien qui a toujours résider États-Unis mais au moins haïtien et qui je dis à qui même refuse cap chercher la vie New York ou États-Unis au moins car retourner la caille ou gon dernier mot sur ça ou gon parole sur ça ou gon parole sur ça monsieur Rino. Alors on croit c'est n'a pas été appelé plutôt dirigeant nous yo pour comprendre enjeu c'est que qui en pile haïtien jodia que la vie yo menacé au lieu y a travail pour mettre yo pour colon yo qui ça pas travail pour bien-être pays, pour bien-être citoyen haïtien. Parce que, en définitive, yo doit comprendre que Haïti pas pour les États-Unis. Et comme idéal de sa ligne, yon vle que Haïti c'est pour haïtien, nous souhaitons que yo travaille ardument pour capable changer de données et permettre que haïtien ka fait va-et-vient dans le pays d'Haïti. Alors, ça n'a pas yo, n'a pas dit yo yon minimum de conscience et comme ça nous capable sortir côté nous là. Merci en pile monsieur Renaud parce que me respecter aller avec vous. Merci en pile la réparation encore, c'est ton plaisir.